La finance en tant que freelance, c'est un sujet qui est quand même super important parce que s'il n'y a pas de finance, évidemment, on peut rien faire. Et donc, j'avais envie de parler de ça sans rentrer trop dans les détails parce que le but, c'est pas d'avoir un cours de comptabilité, mais d'avoir juste une base qui devrait t'aider en tant que freelance pour que tu puisses faire des calculs sérieux et qui correspond vraiment à ton train de vie. Et donc l'idée, c'est de te montrer un outil que j'ai trouvé. Alors, si tu es en France, désolé, cette vidéo concerne uniquement la législation belge, mais je dirais que le conseil qui se cache derrière, je dirais, devrait te convenir. À toi de voir en France ou dans le pays dans lequel tu vis, s'il existe un outil de la sorte, parce que les taxes et les lois ne sont pas les mêmes, évidemment. Mais donc, je vais t'expliquer un outil qui a été mis à disposition par mon secrétariat social en Belgique. Et donc, le secrétariat social que j'utilise, c'est Xerius. Et donc, c'est un secrétariat social qui est comme un autre. Après, tous les 3 mois, on paye des cotisations, mais tout se passe de manière automatique. Donc, quand vous êtes indépendant, c'est comme ça que ça se passe. Et donc là, moi, je trouvais ça sympa, c'est d'avoir un outil à disposition sur leur site internet qui permet de faire des petits calculs, des petites simulations. Et donc, si toi, tu es freelance et que tu aimerais bien avoir un calcul concret et juste, eh bien, je t'invite à aller voir ça. Je vais te partager mon écran tout de suite pour te montrer comment ça se passe. Allez, à tout de suite. Voilà, donc ce que je voulais te montrer, c'est que comment calculer et combien tu vas gagner en tant que freelance. Il y a un outil ici qui est sur le site du secrétaire social qui permet de calculer tout ça. Et donc ici, voilà, donc d'abord, tu choisis qu'est-ce que tu veux calculer. Alors, un tarif journalier, un revenu net ou le nombre de jours de travail. Et donc ici, pour le tarif journalier, tu vas remplir ces cases en fonction de ta situation et l'offre que tu vas proposer, voilà, les dépenses, la sécurité sociale et bien sûr les impôts. Le revenu annuel te sera indiqué ici en fin de réponse dans les résultats. Après, tu as aussi la même chose pour le revenu net et pour le jour de travail. Voilà un petit outil que je trouve pratique pour nous indépendants freelance parce que c'est pas toujours très clair, et ici ça te permet d'avoir déjà une petite idée. Alors bien entendu, ici le but c'est qu'il te recontacte, donc tu peux enregistrer la simulation. Mais si tu veux par exemple changer quelque chose, par exemple, imaginons je prends ça, hop, je dois mettre mes coordonnées bon, en principe, ils vont pas spécialement te contacter, mais tu seras susceptible de recevoir des infos par email. Après, moi je trouve ça une belle initiative. J'ai pas vérifié les autres, mais à mon avis, ça ne doit pas être les seuls à le faire. Mais alors, moi je dirais que pour avoir quelque chose de concret, il faut vraiment choisir son secrétariat social qui correspond à ta demande et aussi à ton pays. Comme ça, au moins, tu es sûr d'avoir des chiffres qui sont pas n'importe quoi, qui concernent vraiment quelque chose. Voilà. Voilà donc pour t'aider dans la partie finance en tant que freelance. Alors, je te conseille vivement d'aller voir un secrétaire social, de prendre quelques rendez-vous. Mais par-dessus tout, je dirais qu'il faut aller choisir surtout un comptable, quelqu'un en qui tu peux avoir confiance et qui est disponible. Donc, point de vue comptable, il y a vraiment un large choix. Je dirais qu'il y a des indépendants, il y a des grosses sociétés. Essaye de choisir à la taille qui correspond à ta taille aussi. Comme ça, tu auras quelqu'un à ta disposition qui va pouvoir peut-être répondre un peu plus rapidement. Après, un comptable, c'est vraiment un partenaire qu'il faut choisir de manière très, je dirais, critique, parce qu'il faut qu'il soit dispo, il faut que tout se passe bien, il faut pas de blague en fin d'année et qui t'annonce que tu as plein d'impôts à payer. Le but quand même, c'est de gagner de l'argent et d'en donner à l'État, évidemment, mais d'avoir ça de manière bien calculée. Et donc, pas de surprise. Donc, je dirais que la première chose que tu dois faire, c'est vraiment d'aller voir un ou deux comptables, peut-être conseillé par ton entourage, comme ça au moins
tu es en principe sûr, même si on n'est jamais sûr, d'avoir un comptable qui sera à tes côtés. Voilà, j'espère que cette vidéo à propos de finance et de freelance t'a plu. Je pourrais en faire un peu plus avec plus en détail, mais après, ça reste un domaine très spécifique. Ici, voilà, le but c'est de te donner plein d'outils web, mais évidemment, en tant que freelance, il y a cette partie finance qui est toujours là. Sans ça, on ne peut pas avancer. Et donc là, si tu as des questions, si je peux t'aider, maintenant je suis en Belgique, moi, donc si tu as des questions techniques, je ne vais pas pouvoir vraiment t'aider si tu es à l'extérieur, mais je me ferai un plaisir de t'aider éventuellement si tu as une question pratico-pratique, donc sans rentrer trop dans le côté technique, sinon je te invite à aller voir ton comptable, il va bien mieux répondre que moi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, sinon on se voit demain pour une prochaine. Allez, ciao! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!